Les visages éclairés par leurs bougies, ces Tunisiennes de France sont venues rendre hommage aux victimes de l'attentat du musée du Bardo. C'est une lueur de lumière pour que les gens continuent à aimer la Tunisie, pour qu'ils reviennent, pour qu'il ne se passe plus des choses comme ça aussi horribles. Après une minute de silence, c'est l'hymne national qui est chanté par la centaine de personnes réunies à quelques pas de l'ambassade tunisienne à Paris. Des franco-tunisiens partagés entre tristesse et colère, mais déterminés. Il faut être debout devant cette vague de terrorisme, cette intimidation. Notre pays va rester debout. La Tunisie est debout et restera debout. Nous résisterons à cette terreur. Certains accusent le gouvernement tunisien d'avoir fait preuve de mollesse envers les terroristes, quand d'autres mettent en avant la responsabilité de chacun. C'est d'abord aux Tunisiens de faire face et de mettre la main dans la main et de combattre ensemble ce fléau. Les personnes rassemblées débattent beaucoup entre elles et comparent les attentats du Bardo à ceux de janvier en France. À l'image de cette pancarte, nous sommes tous, toutes, le musée du Bardo.